Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn. Nous sommes là pour une vidéo réaction. Soyez prêts. Ce matin, je me suis levé et je me suis rendu sur les réseaux sociaux. Et par le pire du hasard, je suis tombé sur une vidéo hors du commun. Et dans cette vidéo, je pourrais entendre une femme se plaindre des enfants des gens. Des enfants d'une femme. Une femme. Pourquoi? Je vous explique rapidement. En fait, elle nous a expliqué que ces enfants-là ont fait du mal à leur propre mère. Juste parce que leur pasteur les a dit de le faire. Genre, le pasteur a demandé aux enfants de faire du mal à leur mère parce que elle est une sorcière. Parce que elle est une sorcière. Donc, comme elle est une sorcière, il faut la brûler. Ah! Un pasteur qui demande à ses fidèles de lui brûler leur mère parce qu'elles sont des sorcières. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est même vrai? Je me suis dit, mais est-ce que c'est pour faire ça? Est-ce que c'est de la blague? Le monde fait peur. Le monde fait peur. Comment des enfants vont-ils aller brûler leur propre part? Juste parce qu'ils trouvent que ces derniers sont des sorciers. Ah! C'est toi qui dois avoir. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi ou bien c'est toi qui dois avoir peur du sorcier. Moi je ne comprends pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous devez savoir un truc, mes frères et sœurs, je vais vous le dire. Les sorciers aujourd'hui, ils sont nombreux comme ça. Elles sont, si on mène tout le monde dans un sac, on remue le sac et qu'on décide de faire sortir la bonne personne et de laisser les sorciers dans le sac, je pense que tout le monde va rester dans le sac. Parce qu'il y a trop de sorciers. Il y en a trop. Vous comprenez la gravité de la situation. En ce moment-là, on va dire que le pasteur qui vous a même demandé d'aller brûler votre mère, est-ce que vous trouvez à la fin que lui-même c'était aussi un sorcier? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Mais je vais vous expliquer un peu comment il faut se comporter face à des sorciers. Quand tu découvres que quelqu'un est un sorcier, comment est-ce que toi tu dois te comporter avec la personne? Moi, c'est ce que je vais essayer de vous dire ici. Premier élément, quand vous ne savez pas qu'une personne est dans la sorcellerie, vous avez tendance à détester la personne. Parce que cette personne fera tout ce qui est à son possible pour vous faire mal au cœur. Ça, ce sont des signes que vous allez voir physiquement, mais vous ne saurez pas que ce sont des signes de la sorcellerie. Vous allez voir que la personne, là, si c'est un enfant, elle va se mettre à faire tout et n'importe quelle vilaine chose à la maison. Juste pour vous mettre en colère tout le temps, tous les jours, ça va être comme ça. Et vous, peut-être que vous allez vous mettre à frapper l'enfant n'importe comment. Ou bien si vous savez votre frère, vous allez vous mettre à le frapper n'importe comment. Vous allez vous dire que vous manquez de respect. Vous faites comme ceci. Vous faites comme cela. Parce que vous ne savez pas. Plus vous le frappez, plus vous l'aidez à continuer sa sorcellerie. Ou ce qu'il est en train de faire. Parce que de le moins des sorciers, c'est cette réaction-là qu'ils s'attendent. Quand ils font ça, ils s'attendent à ce que vous mettiez en colère. Et dans votre colère, vous puissiez faire beaucoup de bêtises qui vont vous créer des problèmes. C'est ce à quoi ces gens-là s'attendent lorsqu'ils font des mauvaises choses. Maintenant, toi, si grâce à Dieu, tu finis par découvrir qu'une personne est dans la sorcellerie,
Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer par remercier Dieu. Tu dois commencer par bénir Dieu parce que Dieu t'a montré qui sont réellement tes ennemis. Tes ennemis même qui étaient cachés même proche de toi. Dieu te les a révélés comme ça ou en plein jour. Maintenant, ce que tu faisais contre eux là, il faut arrêter. Dès que tu les vois faire des petits, mets-toi dans la tête que oh, ça, ce sont les yeux de la sorcellerie. On sait déjà que vous êtes des sorciers, c'est fini pour vous. Une fois, parce que une fois que vous découvrez qu'une personne est de la sorcellerie, vous avez déjà affaibli à moitié. Parce que tous ces hommes sont là maintenant. Cette personne ne peut plus rien faire de vraiment spécial. Parce que vous la voyez, vous savez qui elle est. Vous savez tout, vous savez tout. Du coup, toi, la maman, si tu frappais beaucoup ta fille parce qu'elle faisait beaucoup de bêtises à la maison, désormais quand elle a fait des bêtises, tu vas dire que non, ça là, elle me cherche parce que c'est la sorcellerie qu'elle a. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour combattre cet esprit qui est derrière elle, ce démon qui la suit partout, qui la pousse à m'énerver. Tu dois chercher à combattre le démon là. Et c'est là l'intervention des vrais hommes de Dieu qu'on a craint de Dieu va vraiment être utile. Eux vont venir appeler l'enfant, questionner l'enfant, nous poser des questions. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce métier de sorcellerie? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton monde de sorcier? Et l'enfant va essayer de dire ce qu'il a envie de dire. Mais avant, il va se confesser et il va dire beaucoup de choses. Qu'il a initié, qu'il lui a donné la sorcellerie. Peut-être que toi-même, tu seras surpris quand l'enfant va te dire que c'est ta propre mère qui a donné la sorcellerie à ta fille. C'est pour ça qu'elle te dérange. Et elle a donné la sorcellerie à ta fille parce que toi, tu vas faire quelque chose de passé. Elle a fait tellement mal, elle dit qu'elle va se venger un jour. Mais en utilisant ton enfant, le jour où ton enfant est né, là, elle a dit, ah, c'est maintenant le Seigneur, je vois que tu es en saison. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Elle a profité de la mère à la sorcellerie, c'est l'enfant, boum. Et voici, tu as tous les problèmes. Quand l'enfant va commencer à se confesser et dire qu'il a donné la sorcellerie, et comment, et pourquoi, quelle est sa mission, en quoi elle se transforme quand elle a fait la sorcellerie, parce que tout ça, ça va prendre en compte. Quand l'enfant a fini de dire tout ça, là, quand toi, tu vas analyser toutes ces choses, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses, savoir combien de fois tes ennemis étaient vraiment nombreux. Parce que derrière un sorcier se trouvent des milliers d'autres sorciers. Des milliers d'autres sorciers. Ça veut dire qu'en réalité même, là, quand quelqu'un découvre qu'une personne est dans la sorcellerie, ce que cette personne a fait, c'est que elle marche avec prudence. Tu vas pas venir frapper la personne parce que tu as découvert que la personne est de la sorcellerie. Tu n'as pas fait la guerre physiquement avec la personne parce que, genre, tu as découvert que c'est même ton ennemi qui est là. Bien au contraire, Dieu nous a demandé d'aimer nos ennemis. Dans ton cœur, tu dois vraiment te libérer. Tu dois vraiment ne rien avoir contre cette personne. Même si cette personne veut te faire du mal à tout prix. Parce que c'est ton sorcier. C'est difficile cette affaire de suivre Jésus, de suivre Dieu. C'est pas facile. Hein? Tu dois aimer tout le monde, même ceux qui te font du mal. C'est comme les policiers. On leur dit, écoutez-vous là. Tant qu'on n'a pas tiré, si vous ne tirez pas. C'est la même chose. Mais il faut marcher avec prudence. Très, beaucoup de prudence. Et moi, je vous parle comme ça parce que moi-même, j'ai vécu ça. Le point de sorcellerie, il y en a même plein ici. Ça, mais on n'en parle pas. Nous sommes en Afrique, non? Ici même, là, on doit même avec ça. On peut dire, et souvent, on joue au football ensemble. Donc, tu es là, tu manges avec un gars. Tu sais que la personne qui est devant toi, c'est des sorciers. Mais c'est une sorcière. Mais tu manges. Et toi, tu ne crains rien. Parce que tu as confiance en Dieu, tu as confiance en Jésus et tu sais que Dieu protège. C'est lui qui va te protéger. Moi, j'ai vu ça un jour. Moi, mais un jour,
une sorcière m'a donné la nourriture. C'était de la viande. Ah! Dès que j'ai pris la nourriture, là c'est quelques années avant, dès que j'ai pris la nourriture, automatiquement j'ai su que c'était une sorcière qui venait me donner la nourriture. Alors que moi, j'étais pas chrétien en ce moment. J'étais même pas chrétien. Mais quand l'Esprit de Dieu est déjà très fort en toi comme ça, quand c'est fort, honnêtement, hein, toutes les mauvaises choses, tu détestes cela facilement. Tu n'as même pas même besoin de prier. Parce que Dieu a sa main sur toi. Dès que j'ai pris la nourriture, j'ai su que c'était une sorcière qui était là. Mais de la manière, j'ai bien mangé la nourriture ce jour-là. Et même si je suis sûr que j'ai posé tant de questions. Parce que ça ne peut rien me faire. J'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, que je peux refaire cette nourriture tranquille. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je suis venu sur la terre pour manger de la bonne nourriture aussi. Est-ce que je suis venu sur la terre pour souffrir? Est-ce que je suis venu sur pour souffrir? Donc, laissez-moi manger mon truc. J'ai bien mangé. J'ai bien dormi. Mais je pouvais voir en esprit que pendant que j'étais en train de manger, elle me regardait. Elle me regardait comme ça. Elle a même serré son visage. Ah, qui m'a même envoyé. Qui m'a même envoyé pour lui donner ma nourriture préférée. Oh, qui m'a envoyé. Tu vas me toucher à me faire du mal, non? Mais Jésus est Seigneur. Dieu t'a montré que ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Et non, nous. Du coup, toi, si tu apprends qu'une personne proche de toi est dans la sorcellerie, ah! Faut la laisser tranquille. Mais méfie-toi. Si par exemple, on te dit que c'est ta mère qui est dans la sorcellerie, ou bien c'est ton père, ou bien c'est ton frère. Regarde ce qui s'est passé avec Joseph et en tire une bonne leçon. Joseph, ce sont ses frères qui ont tenté de le tuer. Lui, il ne savait même pas qu'il y avait l'esprit de la sorcellerie là comme ça. Mais, vu qu'il était ignorant de la chose, Dieu l'a protégé. Ce que je peux te dire, c'est de te confier à Dieu maintenant. Pour que Dieu te prenne sous sa protection. Pour que ces deux choses vont arriver là, tu puisses vraiment t'épargner. Et si on te dit qu'une personne est dans la sorcellerie, là même ta tâche s'augmente. Parce que tu dois montrer beaucoup d'amour à cette personne. Prier pour cette personne. Pas la détester. Mais tu dois vraiment être vigilant. Parce que le serpent, on ne peut pas dormir avec lui sur le lit. On ne pourra jamais dormir avec lui sur le lit. On ne pourra jamais. C'est ça la vie et le monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi Dieu nous dit même déjà que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Si tu as des mauvaises compagnies et des gens qui sont des sorciers autour de toi, ces gens vont te pousser à faire des choses que toi-même tu n'avais pas envie de faire. Je pense que nous allons faire une vidéo là-dessus même. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, restez connectés, nous allons vous dire. Ça veut dire qu'en conclusion, moi j'ai dit que ces gens les ont mal fait de faire du mal à leur mère juste parce qu'on leur a dit qu'elle était sorcière. Toi, si on te dit que ta fille est sorcière, ben, tu crois que ça est de la sorcellerie. Faut pas combattre cette personne de cette façon. Parce qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Mais ce sont les démons qui sont derrière qu'on doit combattre. Et le club de sorcier. Parce que la fille, elle est sorcière, mais elle n'est pas seule dans le travail. Ces gens ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en bonne. Donc, tu dois savoir qui sont les gens qui sont derrière. Je suis sûr que là tu as compris. Et désormais, dès que tu découvriras qu'une personne est dans la sorcellerie, tu sauras comment te comporter. Si tu frappais la personne, ne la frappe plus. Si tu insultais la personne, ne l'insultais plus. Tu faisais quoi que ce soit de ce genre pour essayer de combattre cette personne parce que tu disais que cette personne faisait trop de bêtises, arrête. Parce que tu l'as déjà vaincu en découvrant déjà qu'elle est ton ennemi. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce type de contenu et tel qu'on l'a réalisé, laissez un j'aime et écrivez dans la partie commentaire. Nous avons aimé. Merci à tous ceux qui ont laissé des j'aime pour la vidéo précédente et qui ont laissé un commentaire. Tout de suite, je vais aller mettre le like pour vous remercier et rester connecté. Nous allons découvrir des bonnes choses maintenant. C'est sûr. Soyez prêts. C'est parti. Que Dieu bénisse.